De momento, uno contra uno. Ah, vale. Donc, il dit, les situations globales qu'on vient de voir, en général, ce qu'on apprend le plus, c'est les situations offensives. Plus de 60-65%, on apprend aux jeunes situations offensives. Un peu moins de défensif. Alors, dans le défensif, qu'est-ce qu'il préconise? C'est de savoir défendre et être responsable de son joueur. Donc, voilà, contre un, être responsable de son joueur en défense. Et la situation que souvent beaucoup de gens apprennent en disant orienté vers la ligne extérieure, lui, il ne s'en occupe pas trop. Parce qu'il se dit, c'est pas ça qui arrive en match. Quand le joueur est passé, il se retrouve tout seul, l'aide doit venir de l'opposé, puis à chaque fois quelqu'un de libre. Donc lui, il dit, le 1 contre 1, celui qui est responsable du ballon, ne doit pas se faire passer. Et moi je viens d'ajouter, est-ce que le deuxième est en situation d'aide côté ballon? Il m'a dit, attends, plus tard. Donc il va sûrement en parler maintenant. Donc, d'abord, le mur, par rapport au joueur qui est devant vous avec le ballon, il ne peut pas vous passer. Ça c'est la première règle qui s'impose pour les petits. Después, claro, eso a nivel individual. Ahora viene qué hacen el resto de jugadores. Como dice ahí, tenemos que intentar que el equipo contrario no nos corra, por lo tanto, tal como perdemos la posesión, lo primero que tenemos que hacer es el balón defendido. Y muy defendido, ¿vale? Para evitar que ese jugador pueda levantar la cabeza, jugar un pase o corrernos y meternos en la cabeza. Hemos para el balón. Y el resto tienen que proteger el aro. ¿Cómo lo protegen? Bueno, el tema de las ayudas, ahí viene un poco la filosofía de cada entrenador. Yo ayer lo hablábamos cenando, me decían, ¿estás a favor de la defensa en zona? Pues digo, sí, ¿por qué no? Digo, yo no estoy en contra de nada, no baloncesto. Pero, porque ahí en España también hay mucha discusión con la defensa en zona en mini. Y yo la pregunta que hago, o les hago a ellos, es si ven alguna diferencia, por ejemplo, en cuanto al tema de las ayudas o las defensas en zona, del resto de jugadores, ¿qué diferencia hay entre una defensa en zona o una defensa individual con unas ayudas de 4 o 5 metros? Pregúntaselo, a ver si ellos ven mucha diferencia entre esas dos cosas. Donc, il dit, l'aide, c'est une bonne chose, mais comment faites-vous la différence entre une défense de zone, parce que chez eux aussi, en Espagne, il y a beaucoup de discussions entre défense de zone, la pratiquer ou pas la pratiquer pour les petits. Mais la question qu'il vous pose, c'est est-ce que vous faites une différence entre une défense de zone et une aide de 4-5 mètres? Est-ce que vous faites une différence? Voilà, ça c'est la question qu'il vous pose. Essayez d'y répondre. L'aide, elle peut être faite pour aider et reprendre son joueur, mais pas tout petit comme ça. Donc il vaut mieux laisser, pour moi, et je suppose qu'il pense la même chose, laisser le 1 contre 1. Y por celui que se fue pasando. ¿A qué edad pasas a la ayuda más fuerte? Nosotros. ¿A qué edad y pasas dans l'aide plus dirigible? A mí realmente me gusta que los jugadores defiendan las líneas de pase, ¿vale? Si defienden las líneas de pase, las ayudas no pueden ser excesivamente largas. Entonces. También dependerá del nivel de la competición y del rival. A mejor rival pues tendrás que ajustar las ayudas un poquito, pero por filosofía defendemos líneas de pase. Si me como alguna por detrás, hay que asumirlo, porque nos gusta defender agresivo, presionar el balón y demás. Entonces, ¿a qué edad? Si los minis de U12 son capaces de estar los 5 activos y pendientes del balón y solo saltar, porque claro, venimos al tema de las ayudas innecesarias. Yo no sé si aquí en Bélgica ese tema. No, pero por favor. No estamos en eso ahora. No hay que hablar de eso. Para mí, si hablas de cortar la línea de pase, sí. Ya está la posición ideal para ayudar. Claro, el jugador está pendiente de la línea de pase y en caso de que haya una rotura del jugador de balón, tendrás que saltar a la ayuda. Pero no estás pendiente ya colocado en la ayuda esperando que te rompa. Tú estás defendiendo tu línea de pase. Donc, sa philosophie, c'est de fermer la línea de pase. Donc, chaque fois que vous êtes en position pour faire la línea de pase, vous êtes déjà plus ou moins pour pouvoir aider sur la pénétration du côté de votre joueur. Donc ça c'est la première philosophie. Pas être focalisé sur l'aide
et laisser les autres libres. La focalisation, c'est fermer les lignes de passe, déjà ça, c'est bien. Et à quel âge ils peuvent commencer? Si déjà 12 ans, ils peuvent déjà être actifs constamment sur le terrain, c'est le but qu'il avait tout à l'heure, tout en mouvement sur le terrain, alors à ce moment-là, ils seront tout le temps en mouvement, ils pourront aider, ils pourront reprendre, ils pourront empêcher les lignes de passe. Mais la première philosophie pour lui, c'est d'empêcher cette passe d'arriver facilement, automatiquement. Si vous êtes à 1 mètre de votre joueur et empêché sur la ligne de passe, vous serez en aide. C'est clair que la défense de la ligne de passe, en la première ligne de passe, au lado du ballon, est en une position, et quand vous êtes au lado débil, pues, la triangulación defensiva cambia, pero realmente la filosofía es la misma. Decía la pregunta de la zona individual porque hay gente que tiene su jugador grande siempre debajo del aro para impedir cualquier penetración. Entonces, bueno, yo eso no lo comparto. Y los jugadores tienen que estar pendientes de su línea de pase siempre y si puedo robar y correr. Bueno, es como decía antes, si vous pouvez être en situation normale, pas un très très grand qui est toujours en dessous de l'anneau et un plus petit, bon, ça c'est autre chose. Mais si vous êtes toujours à empêcher la ligne de passe, ben vous prenez ce ballon, vous repartez en contre-attaque et il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le prémisse de sa philosophie défensive. Et basiquement, c'est ce que aplicamos à tous les minis, à los U12, défense de la ligne de passe, intentar, si puede recuperar el ballon, correr. Si hay una penetración y no hay más remedio que ayudar, pues hay que saltar al ballon para pararlo, pero automáticamente lo hemos parado, ha venido el defensor, recupero a mi atacante y sigo defendiendo todo el rato. Y no ponemos muchas más normas, no hacemos defensa en zona, nunca en ningún caso. Y ya digo, y tampoco nos importa mucho el tema del resultado. Trabajar lo que tienes que trabajar con los niños para que poco a poco vayan aprendiendo qué es lo que tienen que hacer de cara al futuro. Entonces, obviamente, eso es en la óptica del resultado, no tient pas trop compte del resultado. C'est la formation d'abord. Et donc, il dit, pas de zone, donc forcément le 1 contre 1, individuel, et là, les deux règles. Première chose, ligne de passe. S'il faut vraiment aider sur pénétration, on vient aider. Quand le porteur du ballon sort, on lui fait faire un stop, automatiquement on reprend son joueur. Donc ça, c'est deux règles défensives qui demandent, mais le reste, c'est individuel, on se débrouille, il faut empêcher ce ballon. On récupère la balle, on part marquer. C'est les deux règles essentielles. Ligne de passe, vraiment aider sur la pénétration. Une fois que le stop du ballon est fait, on repart prendre son joueur. Yo dirais que si el equipo tiene la suficiente capacidad, ¿vale? Sí que intentas, ¿vale? El tema de enseñarles lo que son segundas y terceras ayudas, ¿vale? Incluso la defensa de un pase extra, ¿vale? Que sean capaces de leerlo y que no vayan a cualquier sitio, sino que haga la lectura del pase, el balón va a ir allí, yo voy a defenderlo. Nunca, nunca saltamos cuando hay un tiro, nunca saltas cuando hay un tiro. Intentas que no piquen a las cintas, porque si se han roto, lo normal es que te hagan una cinta. Entonces, esas cosas sí que son fáciles de que en U12 los niños sean capaces de asimilarlas. El tema de lectura de juego, si tienen capacidad, y el tema de que no piquen a cinta, que no salten a meter el tapón, que es lo típico, sino que ha tirado de punteras, etc. Eso sí que es muy fácil que ellos lo puedan aprender como norma defensiva básica. Après en U12, on peut introduire d'autres règles, parce qu'ils sont tous aptes à les prendre, par exemple, ne pas sauter sur un choc, okay? Ne pas se faire avoir sur une feinte avant de partir en 1 contre 1. Et sur l'extra-balle, sur l'extra-passe, essayer de lire le jeu pour voir dans quelle position je dois jouer. Donc ça, c'est trois règles supplémentaires qui imposent déjà l'apprentissage au U12. Et en principe, esto es todo, ¿vale? Esta es la foto de la presentación del club. Nuestro lema es un equipo club. Damos mucha importancia a lo que es el aspecto colectivo de baloncesto. Y ya digo, ayer me preguntaban, ¿qué es mejor, la individualidad o el equipo? Siempre el equipo y por encima del equipo, que es el que realmente nos permite el tener equipos y el tener jugadores. Entonces, c'est fini. La réalité, ça c'est la photo de la présentation de l'équipe, du club, pardon, cette année. Il dit, qu'est-ce qui est plus important, soit l'individualité ou l'équipe? Il dit c'est l'équipe, mais ce qui est le plus important de l'équipe, c'est le club.
Donc grâce au club, on peut avoir des équipes. Et donc ça, il dit, ça c'est l'importance d'être uni, d'avoir un club bien, bien fait, bien construit, pour pouvoir avoir des équipes dont l'importance est capitale pour l'enseignement. C'est bon. Voilà. Et de plus est, tu peux traduire que notre coach invité, mais je comprends pourquoi il joue la contre-attaque. Hein, donc il joue le jeu de la manière dont tu parles. Donc ça, de l'autre monde, ça va vite. Ça. Donc, donc voilà, et juste avant que Benoît. Interviennent aussi, parce que je vous ai dit tout à l'heure, ils se sont rencontrés tous les deux à Montpellier. Je voudrais simplement encore ce que j'ai dit tout à l'heure, et nous en avons discuté hier, le coach l'a dit aussi, tout ce qu'on vous a donné là-bas, je pense que vous connaissez le basket. Si vous êtes là, vous connaissez le basket. J'ai le bonheur depuis 3 ans et la chance de suivre des formations FIBA au niveau des U14, eh bien, quand vous arrivez là-bas, ce sont tous des grands noms de coachs. Pesic, Laszlo, ce sont tous des coachs qui sont titrés, champions d'Europe, Euroleague, ils sont tous là. Et la première chose qu'ils vous disent, moi je ne connais pas le basket. Mais ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est de discuter et essayer d'échanger des idées. Et de faire progresser. Je pense que quand Jacques a posé la question de ce qu'il attendait d'un dirigeant, mais c'est aussi d'échanger. Et c'est peut-être ce qui manque. Parce qu'on connaît tous le basket. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce que le coach a montré, c'est une manière d'aborder les choses. Et ce qu'il disait hier, moi je vous donne, prenez, mais ce n'est pas la vérité. Prenez ce qui vous intéresse dehors. Et continuer à avancer. Et je pense que c'est ça, le petit problème, si je peux oser le dire, la remise en question. Et la remise en question, c'est pas seulement parce que tu fais des résultats. Je suis très bon parce que je gagne. Mais oui, mais si tu as les meilleurs éléments, c'est logique. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Donc c'est jusque là qu'il faut aller, et je pense que cet après-midi, ce qu'il va nous montrer sur le terrain, mais c'est une manière aussi de donner l'entraînement. Parce que c'est vous qui devez enseigner le basket. C'est vous qui devez donner cette joie de jouer avec des règles. Et les règles, elles ne peuvent pas changer, mais elles peuvent s'adapter. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce projet mini-basket. Et quand on voit par rapport à ce que le coach nous présente, mais voilà, il y a des similitudes. Mais voilà, chez eux, il n'y a pas du 3 et 3. Alors, qui a raison, à votre avis? Qui a raison? Eux? Nous? Et à partir du moment où tu avances avec ce que tu as et que tu t'adaptes, ben alors, on va avancer. On va avancer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Et ce que je déteste un petit peu pour le moment, c'est que j'ai beaucoup de personnes, que ce soit dirigeants, plus des coachs, naturellement, qui font le pan devant moi. Et on sent les grandes plumes. Et on dit, c'est magnifique votre projet mini-basket. Et quand pas plus tard, la semaine passée, je vais voir un match U12 filles, et que ces personnes qui ont fait le pan devant moi, et qui m'ont dit, c'est génial, le règlement, c'est génial ce que vous avez fait. C'est parfait. Et puis finalement, on ne l'applique pas. Et le score final, 23-115. Et on vous me dit que c'est génial. Ces personnes-là m'ont dit que c'était génial. C'est génial. Presque tout est là, 40 minutes. Enfin, les 4 quarts temps.
une fille de 1m75. Vous avez interminé le coach par la défense. Au milieu de la raquette, dans la zone charge. Bras levé. Man-to-man defense. Upside defense, un pied dans la raquette, pas deux. Mais on me dit que c'est très bien. Et quand je vais les trouver, ils osent me dire, ah oui, j'avais pas pensé. Blind defense, c'est interdit, défense aveugle. Et on joue blind defense. Mais c'est très bien. Hein? Alors, à la limite, je préfère qu'on me dise que je suis ridicule que devant moi me dire ce que vous faites, monsieur, c'est très bien, faire votre groupe de travail, et puis à côté de ça, vous faites quand même comme vous voulez. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que nous, on va jamais baisser les bras. Et ce que j'ai commencé comme ce matin en disant, eh bien, on va faire comme en Espagne, et on va mettre des règlements, et on va être beaucoup plus sévère. Beaucoup plus sévère. Vous faites pas, forfait. Mais alors, posez-vous la bonne question. Hein. Je n'ai pas fini. Posez-vous la bonne question. Parce que vous êtes responsable, vous êtes adulte, et vous pénalisez des enfants par le forfait. Vous les pénalisez. Et au lieu de 49 000 morts, on n'en aura plus que 40 000. Mais de votre faute. Et quand je dis deux, c'est l'ensemble, bien sûr, pas vous. Quand j'ai dit en bas, les meilleurs aujourd'hui sont là. C'est peut-être pas débattre maintenant. Oui. Comment réagir? Ah, mais ça, on va pas. Mais tu as raison. Pour l'instant, c'est... Mais tu as raison. On en rencontre tous ici des situations comme voilà. Je vais raconter, mais quand t'es face à ça... Mais on ne sait rien faire. Je te dis, attends, les deux personnes qui m'ont dit ça, que c'est très bien, et je vais voir le match, ce sont les deux mêmes, et ça, ils ont oublié. Et puis quand tu vas les trouver, oui, mais... Il n'y a pas de upside, c'est un pied dans la raquette. Plus clair que ça, il n'y a pas. Blind defense, tu ne peux pas jouer blind defense. Plus simple que ça, il n'y a pas. Voilà, ok. Donc ça, après, on va essayer de faire. Mais tu as raison, c'est très difficile. Et c'est pour ça que ce matin, quand je vois l'Assemblée, on peut être allez, très content de voir des gens. Si vous êtes là, vous êtes motivés et surtout concernés. Voilà, un peu la première partie. D'accord, sur ce qu'on essaye de mettre en place. L'après-midi, le coach travaillera plus sur, c'est Michel, plus sur le terrain avec des démonstrations. D'accord. Et la question qu'il m'a posée hier, il me dit, oui, mais ils sont habitués à s'entraîner 2 heures. Ben, j'ai dit, on va essayer de... Donc là, il va un peu s'adapter parce que chez eux, bon, voilà, comme il a dit ça... Voilà, ça joue blabla, c'est ce que je fais. Mais lui, quand il est sur le terrain, il ne fait pas du blabla, il travaille. Et il est... Ok. Benoît, est-ce que tu veux... Je vais juste insister sur 2-3 idées. Oui, bien sûr. Donc on a eu l'occasion il y a 2 ans de se rencontrer à Montpellier. Je pense que, et vous allez voir après-midi, sa philosophie vraiment au niveau des entraîneurs, c'est qu'il laisse de l'autonomie aux entraîneurs. C'est-à-dire que... Et surtout, il va travailler sur le fait qu'il va donner un maximum de responsabilité aux joueurs. Et donc, c'est pour ça qu'il les fait très fort jouer avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Vous allez voir tout à l'heure, c'est pour ça qu'on va un petit peu voir au niveau de la durée des situations, parce qu'il travaille avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Et c'est vraiment une de ses priorités. Mais il laisse beaucoup, beaucoup jouer pour donner de l'autonomie à ses joueurs. Et quand il dit dans son discours, bon après, on ne sait pas traduire tout, mais il y a beaucoup de petites subtilités où il dit, souvent, c'est la philosophie de l'entraîneur qui va jouer. Si j'ai des joueurs plus forts, mais je vais adapter, je vais mettre des principes qui vont être en fonction de ma situation. Et donc, en tout cas, beaucoup d'intensité, vous allez le voir tout à l'heure, on va essayer de le montrer au mieux sur le terrain. Laisser beaucoup d'autonomie au niveau des joueurs. Et alors la dernière idée, c'est surtout aussi qu'il ne sous-estime pas ses joueurs. C'est-à-dire qu'il essaye un premier niveau de difficulté, mais il va d'abord aller chercher, ce qu'on appelle niveler par le haut, il va d'abord aller chercher des éléments tactiques et individuels et collectifs exigeants, et puis si ça ne fonctionne pas, il va rediminuer. Mais
il prend comme principe que arrêtons de sous-estimer les capacités de nos joueurs, tant dans les choix qu'ils peuvent faire que dans leur capacité à comprendre des choses qu'on pourrait réserver aux maximaciens. Voilà. Ok, parfait. Alors ici, ben, on est un peu en décalage, d'accord, mais on voulait profiter vraiment de la présence, bien sûr, du coach. Okay. Donc maintenant, vous avez deux solutions. Soit on fait le break, parce que bon, c'est quand même beaucoup d'heures. Ceux qui souhaitent ne pas faire de break peuvent rester. Et si vous souhaitez, Émilie alors peut donner son exposé. D'accord, on prend 5 minutes de break. Non, et puis alors on peut le faire. Voilà. Midicard, par exemple. Midicard, voilà, ça est sur une demi-heure, elle l'aura fait, donc vous serez prêts pour aller voir. S'il faut attendre 5 minutes, on attend 5 minutes. On n'est pas. Parce que de toute façon, il y a un clinique pour le moment sur le terrain, d'Olivier Foucard. Donc voilà, mais Émilie veut bien le faire. Mais, ou alors, c'est vrai, on peut laisser un peu de temps pour manger, je fais de midi et demi à 13h. Ou on fait de midi et demi à 13h. Parce que monsieur a faim, là. Oui, ah bien oui. Et bien, c'est bien, voilà. J'ai parlé tout à l'heure de communication, mais donnez votre avis, on est là pour essayer que tout se passe bien. Alors le mien, moi je ne vais pas le donner, pour la bonne et simple raison que, voilà, ça va être donné dans les provinces. Donc on a parlé tout à l'heure d'arbitrage. On a parlé d'arbitrage tout à l'heure. Hein, voilà, Jésus, ce sont des arbitres. Oh, pardon. Ce sont des arbitres officiels chez nous. Et voilà, le système est totalement différent. Mais alors justement, on est un peu déçus, parce que vous en parlez de l'arbitrage. Mais nous avons donné deux séances dans la province du Hainaut, une à Carrières, une à Stambruge. Mais il y avait peu de monde qui était là. Et pourtant, vous devez arbitrer. Mais vous ne savez pas comment on doit faire. Est-ce que je peux siffler, je ne peux pas siffler? Alors venez, on va le faire. Sur Namur, normalement, c'est prévu le 26 novembre. Le 18 novembre, c'est prévu à Liège. Alors bien entendu, ce n'est pas vous donner un cours de jeu, c'est l'arbitrage dans la philosophie du mini-basket. Et justement, on intervient sur les discours entre les formateurs. Comment réagir par rapport, ben, je prends la balle ou je ne prends pas la balle, le marché. Voilà. Le discours entre les formateurs, c'est déjà hyper compliqué à mettre en place pour l'instant. Mais bien sûr. Mais les gars, une petite question. Oui, pas avec certains clubs. Pas avec certains clubs, on est bien d'accord. C'est pas avec certains clubs. Avec le sport, c'est bien le sport. Mais bien sûr. Quand j'appelle les mots, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? On va le faire. Le problème, c'est que je ne vais pas te donner mon emploi du temps, d'accord. Mais je suis un tout petit peu tout seul dans la formation des cadres, d'accord. On a mis, Madame Delrue est présente, membre du CDA et représente les responsables du mini-basket, d'accord. À la demande des responsables mini-basket provinciaux, d'organiser des séances de formation d'arbitrage, j'ai dit oui, on va le faire, aujourd'hui. Et si on ne renvoie pas un mail de rappel, je suis désolé de le dire, eh bien, il n'y a que la province du Hainaut qui est organisée. Maintenant, il y a Liège et Namur qui bougent, parce qu'on a envoyé un rappel. Donc, eux le demandent, et on ne le fait pas. Voilà. Donc, on essaye d'échanger, mais on ne va pas baisser les bras. C'est notre travail d'envoyer, de faire des rappels, et on va avancer. D'accord. Ok. S'il vous plaît, c'est prêt. Moi, je suis un petit peu le long de votre travail. Après 3 ans, du travail difficile. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle règle qui dit. En 4-4-5-5, on les coach devant l'écran. On me dit, les dirigeants, les deux clubs, je leur dis, attention, ça c'est la nouvelle règle, il faut l'appliquer. Et ils me disent non.
Donc, on ne veut pas l'appliquer, parce que alors que fait-on les formations d'arbitres? Nos jeunes à nous, on les met comme arbitres dans le club, on les met comme arbitres à ces matchs. Ça, j'ai une solution. Donc et voilà dans quelle difficulté je me trouve, en disant alors, voici les nouvelles règles, oui. Et j'ai le club de gestion, on ne veut pas les appliquer. Le problème, attendez, il y a une obligation dans les statuts, c'est les statuts. Une obligation. Tous les matchs de jeunes doivent se jouer. Ça, c'est dans les statuts. Vous savez rien faire là-dessus. Tous les matchs de jeunes doivent se jouer. Aujourd'hui, vous oubliez le projet mini-basket qu'on a mis en place. Vous l'oubliez. Mais aujourd'hui, qui siffle, arbitre les matchs de mini-basket? Qui? U8, U10, U12. Vous oubliez le projet mini-basket. Avant tout ça, qui? Moi. Qui? Les parents. Moi. Toi. Toi, tu es quoi? Bah, je suis coach. Tu es coach, très bien. Tu es coach joueur. Les parents. Toi, le coach. Oui, mais donc ça veut dire que arrêtons de dire qu'il n'y a pas d'arbitre. On le sait qu'il n'y en a pas. On vous donne, nous, la DT, l'occasion d'amener quelque chose. Et je n'ai pas dit que c'était parfait, parce que si vous avez d'autres idées, après, même en fin de journée, vous m'envoyez un mail, je suis preneur. Et on ne voit personne. Notre objectif, il est doux, c'est peut-être de donner la faculté et une vocation à un jeune pour devenir arbitre, puisqu'il en manque de toute façon, même au niveau supérieur. Et que s'il y a un parent arbitre, mais qu'il le fasse dans l'esprit mini-basket. Et nous allons éviter à 65%, le parfait n'existant pas, des conflits entre parents pendant la rencontre. Et à la formation des arbitres, envoyez des parents aussi. N'envoyez pas que les formateurs. Mais oui, mais ça c'est ce que... Et des jeunes. Et voilà, alors le problème, voilà, Jean-Pierre... Des pupilles, nous les voilà. Pupilles, il faut qu'ils arbitrent de temps en temps. Ben ils voilà. Au moins comment faire. Jean-Pierre Irali, pour ceux qui ne le connaissent pas, d'accord. Il va se cacher parce qu'il déteste ça, mais je m'en fous, je le fais quand même. Oui, mais lui, c'était parce que je l'apprécie beaucoup. Non, je l'apprécie énormément. Ils ont trouvé la solution. Ils ne viennent pas frapper à la porte de la DTS, ça ne va pas les gars, il n'y a rien qui fonctionne. Hein. Ils trouvent la solution. Motif tes gars. Qu'est-ce que le coach a dit tout à l'heure? La réussite, c'est le club. Et va demander à tes pupilles, à tes minimes. Eh bien, tu veux pas venir arbitrer? Allez, viens. Ou bien aujourd'hui, comme ton prénom? Stéphane. Comme Stéphane vient de dire, ben, envoyez les parents à cette formation, parce que c'est ouvert à tout le monde. Hein. Aujourd'hui, qui est dirigeant de club? Pas moi. Un, il y a Jacques. Deux dirigeants. Oui, mais enfin, quand je dis dirigeant, sans fonction sportive, je veux dire, Jean-Pierre. Tu vois, sans fonction sportive. Ici, Jacques Sanchez n'est pas coach, il est secrétaire d'un club de jeunes. Mais je pense qu'aujourd'hui, un dirigeant est la première partie que le coach a donnée. Je pense que ça peut être intéressant. Parce que finalement, en fin de saison, qui vote? Les dirigeants, les parlementaires, tous ceux... Ben, donc ce sont des dirigeants. Donc ça aurait été peut-être bien d'avoir... Donc vous voyez? Donc notre rôle, par exemple, moi je vous demande... Help, aidez-nous et faites passer le message autour de vous. Et le résumé, c'est le mini-basket, c'est une famille. Le coach, c'est bizarre, il a montré la même photo. Je l'interprète et je la définis différemment. Si tu n'as pas de gosse, il n'y a pas de mini-basket. Si tu n'as pas les dirigeants, il n'y a pas de mini-basket. S'il n'y a pas de parents, il n'y a pas de mini-basket. Et s'il n'y a pas les joueurs, il n'y a pas de mini-basket. Donc c'est les quatre. T'enlèves un paramètre, il n'y a pas de mini-basket. Enlève un paramètre, il n'y a pas de mini-basket. Donc tout le monde doit être concerné par ce projet. Tout le monde doit être concerné par notre sport favori. Et puis, pensez à votre club. Parce que c'est important, c'est ce qui forme notre fédération. Voilà, je ne vais pas plus, c'est quand je m'emballe. Mais je ne baisse jamais les bras. Tant que je suis là, on va se battre. Donc on fait, Mimi, dis-moi, mon assistante sociale.
qu'est-ce qu'on fait? On repart. Donc ceux qui veulent 12h30 ici, et s'il faut, on attendra 13h, de toute façon c'est prévu en bas. D'accord, mais si c'est 13h15, c'est pas grave. D'accord, ok. Dans un quart d'heure, c'est ici. A tout à l'heure. Oui, super attention. C'est pour ça qu'on a insisté qu'on lui a demandé. Oui. En fait, c'est n'est qu'un quart d'heure seulement ici, alors. Oui, mais c'est pas grave. Alors, c'est 13h, j'ai pas fait de ma fille dimanche. Comment? J'ai pas fait de ma fille dimanche. Ah, ça allait. Ça va être fort. Ah, c'est bien. Elle a quel âge? Elle a un an. Elle a un an. Ah, elle est chérie. On est intéressé à tout. Enfin, je suis autant sur le terrain en tant que coach. Mais hier soir, quand tu m'as après quand tu m'as envoyé le truc, hier on avait plein de trucs à faire et au soir je lui ai montré ton message. Alors il dit on m'intéresse pas. Ça va, Isabelle? Est-ce que je vous ai amusé? Oui, là, on va voir. Je coupe.